Le sport également pour terminer cette édition et une fois n'est pas coutume, des images d'escalade dans ce journal avec les championnats interrégionaux ce week-end à Mont-Saint-Barœul. Les meilleurs grimpeurs du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et d'Île-de-France étaient ainsi réunis pour l'objectif d'obtenir leur billet pour les prochains championnats de France. 115 grimpeurs en tout, hommes et femmes réunis, étaient ainsi affrontés sur les parois de plus de 10 mètres de haut. Et 4 nordistes du club local Sakapov ont gagné leur place pour ces championnats de France. Explication complémentaire avec les deux dirigeantes du club lillois rencontrées au pied du mur par Jimmy Hutchan. Elles reviennent sur ce nouvel engouement pour l'escalade. On l'écoute. En fait, c'est vrai que c'est un sport qui est très à la mode. Il y a pas mal de collèges qui sont équipés maintenant avec des murs d'escalade, donc ça donne une dynamique. Également, on a franchi le cap des 500 adhérents là récemment dans le club. Oui, on a augmenté énormément, même dans toute la région, le nombre de licenciés. Donc nous, on a augmenté en 2 ans, on a augmenté de 200 adhérents quasiment. Et enfin, bon, l'escalade va peut-être devenir un sport olympique, mais ça ne sera pas de la difficulté, puisqu'ici c'est de la difficulté, ça sera de la vitesse. Mais à ce moment-là, il y aura encore plus de développement de ce sport-là.